filasse d'un pistolet, on resserre le ressort de récupération et on fait reculer une arme ou chien. Une fois libérée, la culasse avance, amenant une nouvelle cartouche dans la chambre. L'arme est alors chargée. En appuyant sur la détente, on libère le chien, ce qui projette en avant le percuteur qui va frapper et enflammer la poudre de la cartouche. Cela produit une rapide dilatation de gaz à l'intérieur de la chambre qui propulse la balle en avant et éjecte la boule. L'énergie libérée produit un bref éclair ainsi qu'une forte détonation. Il me connaissait. Il m'a reconnu et il m'a regardé dans les yeux. Et il m'attendait. Comme si... Non, c'est impossible. Et salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Hitman. Il s'agit d'Hitman Contract. Alors après cette petite introduction fort sympathique sur notre agent 47, on va enfin découvrir ce que va arriver à ce petit agent 47. Il faut savoir que c'est le, pour moi le Hitman le plus sombre de la série. Mais aussi, pour moi, vous allez voir que pour ceux qui ont déjà fait Hitman 1, il y a beaucoup de missions qui ressemble beaucoup au premier Hitman. Mais bon, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse apprécier la petite cinématique. Ok. Donc. Échappez-vous du sénatorium. Le sénatorium est encerclé par les forces spéciales. Affrontez-les ou échappez-vous furtivement. Ok. Donc là, il a tué ce qui me semble être son père. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans la petite vidéo. Par contre, waouh, graphiquement là, c'est y a un petit problème, non ? On est bien... Ok. Non, pour moi c'est bon. Ah, faut savoir que le jeu est assez vieux aussi, donc.
La carte aide à cesser la PS sur... Là, ok. Donc, nous sommes où, là? Ah ouais, maintenant on peut faire ça, d'accord. Prendre munitions, prendre ça. D'accord. Ah, mais je sais même pas quelle arme on a. Ah! Ah, la Tomb Raider, tiens. Ah, vous, je sais pas si vous... Ouais, peut-être que beaucoup ne le connaissent pas. Mais ce menu est vraiment inspiré des Tomb Raider. Sachant que là... Je vais devoir passer par là, on va le faire vraiment discretos. Ah, putain, il a fait un massacre, 47. Il a tué tous ses frères, quoi. Putain, nous on a été discret pendant tout l'épisode 2, lui il arrive en mode... On va essayer de... Ah ok, c'est pas des méchants. Ils nous feront pas de mal. C'est des patients qui ont été libérés de leurs cellules. Donc nous on va quand même rush. Bon, on va... je crois que c'est là où il crée les agents en fait. Et 47 du coup, eh ben, il a pas trop apprécié. Il est venu se venger. Ok, il y avait que ça à récupérer. Nice. Paf, paf. Ah ouais d'accord. Carrément. Le mec il attend de nous couper en mode Sharpie là. Nous faut qu'on se casse par là. Eh notre 47 il a 47 il a des sourcils maintenant. Je me rappelle, je crois pas qu'il en avait dans le 2. Eh, franchement ce jeu, bon graphiquement ça change beaucoup du 2. C'est cool. Ok. Et on peut enfin voir les maps des différents côtés. Et ça, ça c'est ce qui manquait. Qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce qu'on peut passer par là? Porte fermée. Ah ok, on n'a pas la clé. Dans le nombre de... Oula! Ils ont envoyé les agents là. Tac, on va tous et tout récupérer. Y'a plus rien à récupérer, je pense. Non. Vous pouvez sauvegarder le parti dans le menu pause. Comme d'habitude. Putain, le jeu il a pas vraiment changé. On va faire comment là? Merge chestia asta? Da, domnule, doar formați. Ok. Ici. Écoutez-moi. Ici le commandant Belou, des forces spéciales roumaines. Ah ouais, forces spéciales roumaines. Carrément. Vous êtes cerné. Rendez-vous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Ok. Donc là, il y a les gardes, faut faire très attention. On va essayer de passer par les escaliers juste ici. Oh. Oh oh. Il n'est pas trop tard pour vous rendre, je me porte garant de votre sécurité. Ah ouais, je te porte garant de notre sécurité. Ok. Vous ne pouvez plus vous échapper. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Ok, alors là, faire attention. Je crois que ça donne fouiller toutes les salles. Dernier avertissement. Lâchez vos armes et sortez. Sinon, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Est-ce qu'on peut sortir par là? On va essayer de passer par là-haut. C'est chaud là. Ouh.
Ah ouais, ok. Donc non, on veut le faire discretos, donc on va éviter de chercher la merde. Vous avez bien compris. Merge chestia asta? Da, domnule, doar formați. Écoutez-moi. On va prendre son costume. Des forces spéciales roumaines. Nous avons bouclé le périmètre. Vous êtes cerné. Rendez-vous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Y'a pas de problème. Par contre, je vais aller cacher le cadavre avant que vous arriviez, les gars. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait prendre les costumes. Je me porte garant de votre sécurité. À tous les tireurs d'élite, feu à volonté. Je répète, feu à volonté. Ok, donc là, ça va chauffer. Vous ne pouvez plus vous échapper. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Ok. Putain, là on est dans le caca. Dernier avertissement. Lâchez vos armes et sortez. Sinon, je ne pourrai plus rien faire pour vous. On va se casser. De toute façon, on a un costume de keuf. Normalement, ça passe. Ouh, je commence déjà un petit peu à aimer Contract. Même si c'est pas le meilleur. Faut l'avouer que c'est pas le meilleur des Hitman. Quand même, il a laissé personne en vie, quoi. 47, il tient sa parole, tu vois. Comment on va sortir d'ici? Je me repère pas, quoi. Ok. Groupe Alpha, au rapport. Groupe Alpha, ok, bon, on va devoir passer devant eux dans tous les cas. Normalement, je passe. Ok. Bon les gars, il y a la voiture dehors. On y est presque. On va sortir. C'est bon, on est dehors, les gars. La voiture, elle est là. Putain, faut faire gaffe au keuf quand même. Ah, la petite voiture, je pense que ça va être une petite Mercedes. Petite Merco tranquille, quoi. On va rester discret. Allez, on se casse. Hop. Ah ça, cette 47. Toujours très discret. Vous avez atteint la catégorie assassin invisible, les gens. Première mission, assassin invisible. Allez, on continue. Ça me donne envie de continuer. Toujours avec ce système de ranking. Donc ça, c'est super bien foutu encore. Et allez, l'histoire commence bien déjà. Et on continue.
fille. Ne me tuez pas. Je l'ai vue. Bâtiment A, dans une des petites pièces du premier étage. Bien. Bonne nuit. Ah ouais, 47, il est toujours sans pitié envers, envers ses cibles. Donc du coup, on prend son petit cadavre et on va le traîner rapidement par là. On va le mettre derrière le petit cochon. Et alors, on regarde un peu notre mission. On doit tuer Campbell Sturek. Nous avons été contactés par un client roumain. La mission qu'il nous a confiée n'est pas des plus simples. Nous avons pensé à vous, bien sûr. Le client veut que l'affaire soit réglée rapidement, et il accepte votre tarif habituel. Alors c'est parti. Le client pense que sa fille a été enlevée, et peut-être assassinée par le roi de la viande roumain, un écossais, du nom de Campbell Sturok. Les tribunaux roumains ont tranché. L'avocat roumain de Sturok, Andrei Pouscous, a fait capoter le dossier. Notre client veut changer de méthode. Allez-y, et descendez-les tous les deux. Vous allez recevoir un dossier sur l'affaire. Si vous acceptez cette mission, l'argent sera transféré sur votre compte. Soyez prudent, 47. C'est un plaisir de travailler à nouveau avec vous. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de Diana est vachement plus féminine. Mais vachement plus. Bon. 47 est donc habillé en boucher. Fermez le camion. Voilà, on ferme le petit camion. C'est toujours mieux de fermer le camion. Les bouchers ne portent pas d'armes. Ah, est-ce que je porte des armes? Oui. Si les bouchers ne portent pas d'armes... Ok, bah je porte pas d'armes là. Normalement c'est bon. Alors, en parlant de ça, je vais sauvegarder. C'est toujours mieux de sauvegarder que de se faire niquer. Ah ouais, cette mission c'est un peu une sado... sadomasochiste, non? C'est un peu glauque, comme Cunoști procedura. Acum îți simți carne. Attends. Ouais, c'est ce que je me disais, il va me palper, ça c'est casse-couille. Putain. Alors, comme il nous laisse pas rentrer, on va aller déposer nos armes. Et on va les mettre là, comme ça on est sûr de jamais se faire opérer. On va pas dire, oh, ils ont trouvé un petit flingue par terre. Après, y'a rien du tout. Ok. Donc ça, c'est nickel. Nous, on peut y aller direct. On peut se faire palper tranquillement, tu vois. Et dès qu'on rentre, normalement... On peut pas aller trop trop loin, donc du coup faudra trouver un autre costume. Soit d'un client, soit d'un... Ouais, vas-y palme-moi, normalement j'ai rien. Merci mec. Bon, on va essayer de trouver un autre costume à l'intérieur. On va laisser les clients s'amuser un peu, hein, dans une sorte de grosse boucherie. Les mecs ils font une soirée soirée masquée, on va dire. Bon, je sais pas si c'est sado, mais franchement, alors dites-le moi en commentaire. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui doivent kiffer cette soirée. Hein. Ce genre de soirée, c'est glauque quoi. Salut ma belle. Ok. Un petit costume ici, c'est cool. Attends, une pipe à l'opium. C'est ça la pipe. Du coup, je suppose. Donc j'ai un costume de serveur ou je ne sais quoi. Un invité. Attends, une pipe à l'opium. Bon, ça m'intéresse pas. Ok. Ah ouais, carrément le boucher, il est...
Il est à fond. Ok. Ni vu ni connu. Ah, la soirée elle est un peu plus classe là quand même. Ça fait plus trop boucherie, ça fait plus. Ok. Donc normalement c'est le client. Non, c'est pas le client en truc. Ah ouais, c'est chaud comme soirée. Putain, ils sont kiffés ici. normalement. Je peux rentrer, non? Ouais, mais on va sauvegarder. Ok, donc sauvegarde, ça c'est fait. Donc je suppose qu'on peut lui déposer la pipe ou lui donner directement. Allez, je te dépose ta petite pipe. Profite bien de ta pipe. On va voir si elle fait une overdose ou un truc comme ça. Je sais pas ce qui va lui arriver. Ou si on va pouvoir l'étrangler ou un truc comme as. Donc là, il fume sa pipe tranquille. Nous, on regarde un peu ce qu'il y a à faire. Franchement, ça va être chaud. Je pense que c'est possible de. C'est possible après d'empoisonner l'autre. Faudrait voir. Là, on peut récupérer invitation VIP. Ouais, ça va être intéressant ça. Silver Ball. Ok. On le tue comme ça, ça va plus vite. Bah, on va retourner en cuisine voir si on peut faire quelque chose. Mais normalement, tout est possible. Tout est possible. On va aller retourner dans la cuisine avec notre costume de boucher. Vous êtes suspect. Je suis toujours suspect, moi. On va récupérer le costume de boucher. Comme ça. Au moins c'est fait. Ok, nice. It's done. On l'a fait. On sauvegarde tranquillement. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut récupérer ici? Est-ce qu'il va me donner un truc à faire ou pas? Ouais, c'est de la dinde ça, non? Je pense qu'on peut faire quelque chose, tu vois, je suis bouché, je suis tranquille. Là, il me repère pas trop. Ok, il récupère sa petite dinde, je pense. Bon, cette mission, elle est pas très technique encore. On est au début du jeu, mais on galère un peu déjà. À savoir ce qu'on peut faire. Toi là, apporte ça à Sturrock. Ah, je savais bien que. Où dois-je le servir? Crétin d'anglais, à l'étage, dans sa chambre, vite! Oui, mais chef, ah, pas de soucis, chef. Je t'emmène ça, chef. Prendre l'assiette, poulet. Y a pas de problème. Je te fais ça de suite. Alors. Y a personne à investir, il me semble. Alors. Les bouchers ne portent pas d'armes. D'accord. Du coup, moi, il me faudrait. On va prendre la.
Ouais, on va prendre la scène de poulet, basta. Avec quoi je pourrais l'engraisser, tu vois? On pourrait pas l'engraisser. On pourrait rien mettre dedans, je pense. Je sais pas. Ouais, sinon il y aura écrit. Bon, tant pis, on y va. On va aller voir Sturrock. Donc faut pas être un bien pour arriver à me palper encore. Il me semble. Donc on va retraverser la soirée un peu glauque. Et on va aller là-bas. Mais je sais pas, vous l'avez remarqué, je pense, déjà la première mission, on a fait déjà deux missions hyper glauques. C'est-à-dire on a une où c'est rempli de cadavres, de sang. Et là c'est pareil, c'est une boucherie, il y a du sang partout. Les mecs ils font de la fête dans du sang de porc, de je ne sais quoi. C'est... Enfin franchement, c'est horrible. Ils mettent des fleurs quand même, mais... Voilà, il y a du sang partout. Enfin les Américains ils font des... Non, c'est en Roumanie je crois, c'est ça, ouais. En Roumanie ils font des trucs... là chelou. Voilà, faut que je te palpe. Y'a pas de soucis, palpe-moi. Quelle arme j'avais? J'ai quoi comme arme? Mutilation VIP. Crochet à viande. Si vous appréciez. Waouh! Là par contre, il lâche v'là des armes. Il lâche v'là des armes. Bon, on a compris, faut pas faire ce qu'on vient de faire. Donc, du coup, bah écoutez, on va enlever tout ce qu'on a et basta, hein. Donc on va attendre qu'il coupe son poulet. Comme ça je vais pouvoir l'aider. J'ai pas de poison, j'ai rien. Là ça va être un peu chaud. Donc je vais devoir servir Sturrock. On va aller dans les toilettes, on va mettre l'arme dedans. Normalement on peut la farcir, donc on peut mettre l'arme dedans. Et le crochet on va le lâcher. Tout simplement. Voilà, apporte ça. Merci chef. Je t'apporte ça mec. Le poulet est assez gros pour être farci, ce qui est normal. On va profiter des toilettes pour faire ce qu'on a à faire. Placer Silver Ball, voilà. Ok, nickel. Si, il y a une autre arme que j'ai, il faut que j'enlève. Passer détecteur, immobiliser sa vie, quel que soit. Ok. On y va. Ok, nickel. Moi je vous propose c'est qu'on fasse une petite sauvegarde juste avant de passer le garde, au cas où si ça bug. Normalement je pourrais récupérer l'arme et le tuer avec le flingue. Ça, ce sera propre. Ça, c'est dehors, mais où serait la cible? Là-bas. On va voir. On va voir si c'est ça. Normalement oui. Allez hop, ouvrir la porte. Oh par contre ils ont de la bonne musique.
Ils ont de la bonne musique et des bonnes lumières. Cunoști procedura. Vas-y, palpe-moi. Foarte frumos, foarte frumos. Carate. Aucune arme a été trouvée. C'est nickel, fermé. Tiens, monsieur. Ah, you lovely, lovely bird. Les objectifs ont changé. On se casse. Hop, on descend. Voilà, ça c'est fait. Cible éliminée. Abattoir de... Vas-y, on sauvegarde. Ok. Là, on va aller sauver la fille maintenant. Donc je sais où elle est. Je sais où elle est. Ok, nickel. Nickel, ça c'est bon. Ok. Ok, ok, donc ça c'est bon. On a réussi à s'en sortir nickel, eux ils font l'amour tranquille. Enfin l'amour. Ils se galochent. Mm-hmm. Bon, là il y a un autre boucher. Et là il y a les escaliers pour monter enfin en haut. Yes. Alors on va sauver la petite fille. Tastura qui me faisait penser quand même à Jabba le Hutt. Par son physique assez imposant. C'est horrible ici. Et de la tuer. J'ai trouvé la fille. Vous pouvez la sortir. Par petits bouts. Assez pour l'identifier. C'est signé Sturrock. Son frère. Je présume que la mission n'a pas changé. Vous présumez bien, comme toujours. Continuez, 47. Les bâtards. Donc on va prendre la preuve. Putain. Hein. Et du coup. Bonjour 40. Du coup, elle est morte, donc on n'a plus rien à faire. Juste à se casser quoi. Découvert. Putain, ils viennent de découvrir le cadavre du type quoi. On va se casser. On va se casser tranquillement les gars. Fait pas de mauvaise manœuvre. Et là on va finir la mission tranquille. On va finir la mission tranquille. Laissez-moi passer. C'est parfait.
Ok, let's go. On se casse. Hop là, alors on a fait catégorie professionnelle, les amis. Comme à chaque fois. Allez, c'était le premier épisode sur Hitman Contract. J'espère que ça vous a plu. On va continuer tranquillement et rapidement la suite. Sur ce, on se retrouve pour les prochains épisodes qui arrivent rapidement. Et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires, vos idées pour réussir mieux la mission, vos conseils pour les prochaines missions, les petits trucs qu'il faut que j'évite de faire, si je parle trop, si je parle pas assez, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour écouter tous vos, toutes vos idées. Voilà, c'était Uzo sur le premier épisode de Hitman Contract. On se retrouve pour la suite.